Et ça, j'en tue un de Tétinman, le petit garçon le plus cool de la Terre. Parce que Tétinman ne quitte jamais sa tétine. C'est ce qui lui permet d'être toujours concentré. D'être toujours Tétinman. Il n'y a pas longtemps, plusieurs personnes ont voulu s'en prendre à la tétine de Tétinman. Elles ont des problèmes. Parce que Tétinman, c'est le petit garçon le plus fort du monde. Et il va lui arriver plein de jolies petites aventures avec ses copains à la cour de récré, avec ses parents, sa mamie, qui vont tous essayer de lui choper sa tétine. Pour voir qu'est-ce qui se cache derrière le vrai Tétinman. Le Tétinman est un super-héros. Donc, dans cette vague-là, il y a déjà deux grosses aventures de Tétinman. Il vient de sortir tout juste, il y a quelques jours, Tétinman, je sais bien, dernier ouvrage de Christophe Nicolas et de Guillaume Lang.